C'est vieux, vieux, vieux. C'est la grossesse nerveuse. 87 peut-être. J'ai pas la mémoire des dates. J'en sais rien. De la rigolade. Il n'y a pas vraiment de sérieux dans tout ça. D'où le nom. Groupe amateur, fier de le dire, fier de l'être, qui s'autoproduit. Jamais mieux série que par soi-même. Faut y aller, faut envoyer. Et puis comme ça, ça nous permet de faire nos morceaux un peu comme on veut. Vu que déjà, c'est que de la composition, donc c'est une meilleure approche de la musique, il n'y a pas de reprise. Rock français, mais bon, plus sur la dérive du punk quand même. Plus punk, parce que dans le du moins moi, dans mon esprit à moi, moi c'est clair, c'est même hardcore. Moi. Donc ça s'est formé un peu au feeling, quoi. On n'a pas essayé de chercher à avoir des pros. On s'est rencontré à l'usine avec un ami, ouais. Et depuis, ben voilà. Je suis le petit dernier du groupe, le plus vieux aussi. Je venais d'un autre groupe qui s'appelle les Nains de Jardin, qui me tire la gueule en ce moment parce que je joue ce soir avec les Grossesses Nerveuses. Allez, on se plaît bien ensemble, quoi, je veux dire, on fait des trucs, on bouge pas mal. J'ai les paroles à côté de moi, parce que je sais plus du tout ce qu'on fait comme morceau à des moments. Donc il faut que je me repère un petit peu. C'est pas une vie facile d'apprendre 17 morceaux en 9 mois. Faut pas qu'il se trompe, parce qu'il pourrait jouer du Nain de Jardin à la place de la Grossesse Nerveuse. Mais bon, j'aurais un blâme. Pas mal d'écrits qui viennent de notre ancien batteur. Moi, de toute façon, j'ai toujours chanté des textes qui me plaisent, que je comprends et qui me plaisent, et où je suis d'accord avec le principe. Bon, il y en a, ils sont juste rigolos. Il y en a et ils sont pas, il n'y a rien vraiment d'impliqué là-dedans. Mais il y en a, oui, ils sont bien engagés. Et je les chante. Parce que j'y crois et je vais pas chanter un truc qui me tient pas à cœur. Il y a deux, trois chansons qui sont un petit peu plus sérieuses. L'Irlande, et puis Secte Amère, parle des religions. Les religions sont
le morceau de Cousteau, ça c'est pas faire chier les mérous, c'est la pollution de la mer, plein de trucs. C'est tout un peu tout le quotidien qui est revu et il faut prendre à les rigolades quoi. Il y a beaucoup de trucs qui embêtent tout le monde. Le but c'est de dire un peu l'histoire, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Dans les grossesses nerveuses, il y a des 2-3 morceaux que j'aime bien, dont la Guinness bien sûr. Il y a Exam, ma petite Exam. C'est pas joli ça, petite Exam. Et puis un morceau que j'aime encore plus que les autres qui s'appelle Chipo. Pourquoi ce morceau? Mais j'aime tellement ce morceau, je l'ai écrit avec mes petites mains, mes petits doigts. Les grossesses l'ont mis en musique et c'est la première fois qu'on va le jouer en concert ce soir. Donc c'est un moment crucial pour moi. La Chipo, c'est bien plus beau que la tête de veau. On a des choses à dire quoi. Après on essaye de les passer dans la musique. Alors ce soir on joue à la brasserie du Mont Blanc parce qu'on aime bien la bière. C'est la première fois qu'on joue à la brasserie du Mont Blanc. C'est un lieu sympathique. Il y a de la bonne bière. Non, c'est un bel endroit. Ouais. Un bel endroit pour jouer. Bon, le son il va peut-être résonner un peu, mais parce que c'est pas fait pour à la base. C'est pas une salle de concert. Mais ouais, c'est vachement rigolo. Thank you.